Hey, salut tout le monde, c'est Greg Cage. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Donc ça y est, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Ouais, ce soir 20h, donc je vais chercher Infinite Warfare, hein. Une petite nocturne, hein, dans le magasin que j'achète. Et puis voilà. Donc on va parler un petit peu sur Black Ops 3. Donc ça a été un superbe jeu. Franchement, le menu, je le préfère à Infinite Warfare. Après, les spécialistes quand même sur Infinite Warfare sont quand même moins cheatés que sur BO3. Mais franchement, ça a été quand même un superbe jeu. Et après, j'ai comment au début, pardon, j'ai buggé. Au début, j'ai pas mal abandonné sur ce jeu parce que au niveau des connexions, franchement, c'était injouable. Après, ils se sont mis à patcher, mais vraiment les armes, un truc de fou. Donc, comme vous pouvez voir, je joue tout le temps avec plein d'accessoires, ça à cause de ma connexion, sinon j'arrive à rien. Donc je joue sans accessoires. Après au niveau de comment du marché noir, hein, moi j'ai rien eu. J'ai eu le lance-roquettes, j'ai eu les points américains, un couteau papillon. Mais sinon j'ai eu pas mal de tenues pour les spécialistes. Mais ça je m'en fous. Moi je préfère avoir un fusil d'assaut ou une mitraillette. Donc ça abusé. J'espère que les armes on pourra les acheter comme avant. Dans un DLC, avoir une arme avec. Franchement, ce serait plutôt sympa. Donc voilà, après pour ceux qui ont la PlayStation 3, hein, qui pourront pas jouer à Infinite Warfare, si vous voulez que je vous fasse encore 2-3 vidéos sur Black Ops 3, il n'y a pas de problème, vous le mettez dans l'espace commentaire. Donc je trouve que c'est abusé qu'ils le sortent pas. Mais bon, après, c'est tant mieux pour vous, parce que payer un jeu 70 € et pour qu'il ait des graphismes de PlayStation 1, franchement, ça fait peur. Donc voilà, franchement non, au niveau mitraillette, fusil d'assaut, j'ai bien aimé sur ce jeu. Après, voilà. Voilà, donc je vais passer maintenant à Infinite Warfare. Donc Infinite Warfare, hein, j'espère que les connexions, elles seront pas comme sur, comment? Comme sur la bêta. Excusez-moi, j'ai bugué. Parce que la bêta, franchement, les connexions, c'était abusé, elles étaient vraiment mais pourries, pire que Black Ops 3. J'espère qu'ils vont faire mieux. Après, j'ai entendu parler aussi des serveurs dédiés. Donc ça, franchement, ce serait super de leur part. Donc ils écoutent la communauté, hein, un petit peu. Franchement, ce serait vraiment cool. Après, au niveau des armes, donc je pense plus trop jouer à la mitraillette tant que je débloque l'UMP45. Vous avez pu voir à la mitraillette, j'arrive presque à rien. Par contre, quand je joue au fusil d'assaut, Kabar, Volk, là, franchement, c'est des armes que j'adore. Au niveau des spécialistes, je les trouve pas mal. C'est pas des trucs où qu'on tire. Et voilà, moi, je les appelle les mouches, là, les petits trucs par terre, là, orange, sur Black Ops 3. Quand on passe dessus, hop, on est mort. Ça, y a pas. Ils sont plutôt pas mal, hein. Le sceptique, après, il y a fantôme. Et les mercenaires. Après les autres, après je connais pas. Je connais pas trop les noms. Pourtant j'ai fait une présentation, mais j'ai pas tout retenu. Et c'est pas des trucs, voilà, c'est des armes, et c'est plutôt pas mal. Malgré que ça soit cheaté aussi. Et après, comme je vous ai dit, hein, tout à l'heure, hein, quand je vous parlais de Black Ops 3, franchement, Infinite Warfare, le menu j'aime pas trop. Après faut voir par la suite. Parce que bon, on juge une bêta, mais faut juger le jeu complet. Après la bêta, quand même, ça a été cool quand même de leur part. Ils nous l'ont mis 2 week-ends. Franchement, ça a été sympa. Donc comme ça, au moins, on n'a pas vu le temps passer. Hein, le jeu est arrivé vite. Après, ben, je vous parlais de Code 4. Franchement, Code 4, je l'attends. Franchement, je l'attends. Hein. Comme vous savez, j'ai 24 ans. J'ai commencé vraiment sur les premiers Call of. Et Code 4, je l'attends. Parce que je sais que c'est un jeu, j'ai vu des vidéos et les graphismes, ils ont été refaits, mais c'est joli. Après, ils avaient mis des trucs, la barre des feats qui était pas bien, qui était la barre des feats d'Advanced Warfare, mais voilà, ils nous ont écoutés, ils l'ont changé. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et là, on va jouer au sniper, là. Là, on va jouer au sniper, faut vraiment que je m'y remette, parce que sur Code 4, les snipers, ça prend les balles. C'est pas... Les flash cops, tout ça marche nickel. Là-dessus, franchement, sur BO3, ça m'a un peu déçu. Après, comment Infinite Warfare aussi, ils défoncent. Mais comment ils ont dit que ça va pas être pareil que la bêta. Donc après, à voir aussi. Donc voilà.
Alors le score 16-3, ça va pas mal. Une petite tourelle, le petit colis. Donc hein, pour ceux qui ont BO3 sur PS3, hein, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, vous me dites, hein, ouais, ce serait cool que tu nous fasses encore 2-3 gameplay, y a pas de problème. Mais bon, après, il y aura quand même beaucoup de gameplay sur Infinite Warfare et Code 4. Hein. Voilà. La petite tourelle déjà. Un kill. Non mais oui, non mais. Il court comme ça, prends ton autre arme. Bon, dans les petits colis. Y'a quoi? Allez, venez là. Allez, toi. Hop. Donc, là, je peux vous dire aussi que la SCUF, hein, ça sert vraiment avec les doubles sauts. Ça sert vraiment. Après, sur Code 4, à voir. Mais ça peut servir quand même. Pour se coucher et tout plus rapidement. Si, si. Hop. Franchement, la Weevil, hein. Ouais, les mitraillettes aussi sur BO3, elles ont été. Elles ont été. Franchement, elles étaient énormes, quoi. Pour vous dire, j'ai mis un peu de temps à vous le dire. Elles étaient énormes. Parce que franchement, elles étaient énormes quand même. Après, la Razorback, j'ai bien aimé. Mais c'est abusé, ils l'ont trop patché. Tiens. En hardcore, à l'arrache. Allez, hop. Série. Petit Cerberus. Fais-moi du kill. Oh, bonne petite game, 29-5. C'est pas mal. Vivement ce soir. J'attends qu'un truc vivement ce soir. Allez, au même endroit. Ça a bien donné tout à l'heure. J'espère que ça donnera autant. Ouais, mais ils sont planqués ou quoi? Allez, hop. Mange le Cerberus. Donc hein, sur Infinite Warfare, Kabar 32 ce soir. Donc ah oui, il y aura un live. Désolé, je vous l'ai pas dit au début. Il y aura un live, mais quand la mise à jour commencera finie, l'un des deux, soit Code 4, soit Infinite Warfare. Donc je dis pas d'heure, hein, parce que ça se peut que je me mette en live à minuit, comme à 9h. Mais bon, 9h, je pense pas. Allez, ils sont où? Venez là, là. Venez là. Moi, le colis, je l'ai même pas acheté. Eh non. Donc, combien de kills? 34-7. Ouah, pas mal. 34-7, ça va. Pas mal, pas mal. Une belle petite game. Bon, bah voilà, c'était YKG. À plus tard dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à bombarder de likes. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Ciao!